Bah Pierre, oui, mais oui, pourquoi je prends le micro? Bah oui, c'est toi, c'est mais moi qui c'est des formations professionnelles, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Eh voilà. Ben voilà, BXA, félicitations pour le titre. FWBB, félicitations pour le titre, j'ai envie de dire, hein. Ben oui, pour, ben voilà, l'équipe gagnante, en fait, c'est nous autres. Mais voilà, c'est ça, on a vécu une saison 2018-2019 incroyable, avec en apothéose le titre de champion de Belgique pour la Escarbec, une première dans l'histoire bruxelloise. C'est un titre qui fera date, je pense, dans l'histoire du futsal. Pour toi, en tant que représentant de BXA et de la ville de Bruxelles, ça doit être chaud. Non, mais t'es un... là, la caméra elle est là. Ouais, ouais, ouais. Ça doit être chaud, ça doit être chaud un titre comme ça. Tu l'as vécu en live aussi. Ouais, on l'a vécu en live, on l'a vécu en direct surtout, véritablement en direct. On va le revivre encore demain dans Futsal, mais c'est vrai. Quelle intensité, quelle prestation d'Escarbécois durant toute cette saison. Et ils sont récompensés après ce qu'ils ont montré. Et pour moi, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur parce que voilà, c'est une équipe bruxelloise. Voilà. Et alors, n'oubliez pas, les gars, tout le monde est futsal. Ah, bien évidemment. Et un grand merci à Pierre. Et à toi-même, Cardino.